Salam la famille, j'espère que vous allez bien en direct de la voiture. Je suis avec Myriam. Salam. Mais qu'est-ce qu'il y a, Myriam? C'est la fin du ramadan. Ouais, j'avoue, c'est le dernier vlog ramadan 2024. C'est passé super vite, la famille. Eh, mais on a oublié de leur dire, on avait Cassine aussi. Salut tout le monde. Donc, je propose pour aujourd'hui un défi méga compliqué. Pour le dernier jour du ramadan, Younes et Myriam auront 5 euros pour manger leur dîner du ramadan. Sachant que les prix en France, ils ont augmenté, ça va être chaud. Ok, défi accepté. 5 euros chacun. Par contre, Myriam, je tiens à te dire que aujourd'hui, je vais t'exploser. La dernière fois, j'ai gagné. T'as gagné, ça fait 1-1. Explosé, tu vas voir. Eh, hey, c'est grave chaud, comme de par hasard pour le défi, c'est le retour de l'été. Let's go. Pourquoi vous dites let's go? Moi, je préférais l'hiver là. Tu quoi là? T'es chibi vert? J'aimais bien mon lit, mes pulls. Comment il fait chaud? Prends un chariot. Tu sais ce que je vais faire, moi? Je vais prendre des trucs à Cassine. Eh, viens. Eh, y a moyen, tu me rajoutes 2 euros, non. 2 euros, mon frère. Arrête, 2 euros. Pause. Pourquoi pour la fête de l'Aïd, vous faites des gâteaux comme ça? Ouais, faites d'autres gâteaux, je comprends pas, Jamie. Ah oui, faites des tiramisu. Maman, j'ai un message pour toi, pour l'Aïd. Viens, on va lui dire. Pour la fête de l'Aïd, maman, on veut des gâteaux comme ça. Ça, regarde, c'est magnifique. C'est ça, les mamans, faites-nous des gâteaux comme ça pour l'Aïd. Ils sont capables de les faire. On veut plus de gâteaux arabes, ça fait trop mal aux dents. Vu que j'ai que 5 euros, le premier article sera une baguette. Là, je vais pouvoir me faire un big sandwich, ça baguette coûte 69 centimes. C'est carré. Par contre, je l'achète à la boulangerie, je l'achète pas ici. Eh, hey, mais j'y crois pas, on peut goûter des sushis. Oh, Myriam, ne fais pas ça. Quoi? Tu vas goûter? Oui. Vas-y. Incroyable, les gars, parce qu'aujourd'hui, elle fait pas le ramadan aujourd'hui. J'ai peur. Non, Myriam, ne fais pas ça. Quoi? Je rigole, vas-y, goûte, oui. On va pouvoir savoir si c'est bon. C'est grave gros. Et alors? Tu dois tout manger maintenant, tu peux pas reposer. Hein. On va vous dire si c'est bon, vos sushis, madame. Oh, y a plein, en fait c'est des nouveaux. La betterave ça casse tout. Ah, y a de la betterave dedans. Vas-y, bah dis à la dame ton avis. Mais je vais pas lui dire que la betterave ça casse tout, ça se fait pas. Madame, vos sushis sont super bons. C'est trop bon, madame. Super bon, madame. Espèce de actrice, t'as dit la betterave c'est pas bon et tu dis c'est super bon. Par contre, Auchan, vous avez voulu mettre des sushis gratuits, je vais venir tous les jours et je vais venir les goûter tous les jours. Un repas gratuit. J'ai une idée de malade mental, les gars, ici. Il y a des frites. Ça, c'est pas des pommes de terre, c'est des frites. On va se prendre une pomme de terre, je pense qu'elle va coûter 10 centimes, viens voir. Comme ça, je vais prendre que ce que j'ai besoin, j'ai pas besoin de tout le paquet. Alors attends, pomme de terre, 28 centimes. Let's go. On va pouvoir se faire un peu de frites pour 28 centimes. Comme vous le savez, dans chaque sandwich, il y a du fromage. Ici, on a le rayon promo. On va regarder justement si... Mais c'est quoi ça? On va pas mettre ça dans un sandwich quand même, du rondelet. Après, le camembert, ça peut être pas mal, le camembert. C'est 2,39€, non, je peux pas. Eh, mais Younes, mets du fromage râpé. Fromage râpé? Bah ouais. On est au fromage râpé. Par contre, tu me dis n'importe quoi, c'est 4,35€. Ouais, mais il y en a qui sont pas chers. Bah oui, regardez, c'est vers le bas, c'est vers le bas. Prends-moi ce qui est tout en bas, on va voir. Oh, mais c'est classé pouce bleu. C'est classé pouce bleu. Bah, mettez tout en pouce bleu. 1,60€. Eh, je vais mettre tout ça dans le sandwich. Quelle heure à manger? Oui, mais prends ce que tu veux. Là, je prends la pizza. Mais conseille-moi en vrai. Ah, tu vas faire une pizza? Bah ouais. En vrai, celle-là, elle est à 1,38€. Non, 1,31€, c'est encore moins cher. Mais c'est pas de la pizza, ça. Mais pourquoi vous dites? J'ai envie de gagner, moi. Prends celle-là, Myriam. Celle-là, elle est bien, pour ta pizza ronde et fine. Alors, c'est fonde et fine. Par contre, regardez, ils ont mis des tomates dedans. Donc, n'hésite pas à mettre des tomates dedans. Ouais, vas-y, ouais. Tu vas remalaquer. Je pense que je vais pas mettre de fromage. Je pense que je vais mettre de la dinde en vrai à la place. Moi, je te laisse faire ce que tu veux. T'inquiète, tu vas voir, ça va être incroyable, les gars. 3€ des lardons et c'est allumade dans ça. 2,50€. Mais pourquoi je l'aide? C'est pour regarde, voir que moi, tu m'as donné des carrés de... Je sais pas, tu m'as donné quoi, là? Je t'ai donné des dés, tu vois, les dés que tu lances, même ça fait 3, 4, 5, 6... Les gars, regardez, je trouvais un truc à 1€. Ah ouais, tu peux mettre ça dans ta pizza. Halal. Il y a marqué dans toutes les langues. Halal. Trouver des claquettes de l'espace. Mais ça se mange pas, ça, Younes. Ça se mange pas, ça. Non, mais c'est pour elle, parce que chaque fois, elle marche pieds nus. Vas-y, toi, tes claquettes. Younes. Qu'est-ce que tu fais, Myriam? Younes. Bah, j'appelle Younes. Comme ça, tu dis, je suis un pigeon avec ta tête de rondelet, là. Qu'est-ce que je vais prendre? De la sauce tomate. Mais il te reste que 2€. Non, la sauce tomate, c'est grave pas cher. La sauce à pizza, je peux te dire que. Attends, je vais t'aider. Tu devrais prendre celle-là à 4€. Mais il a pas le budget. Il lui reste 2€. Mais tu trouves ton repas du jour, 4€. Tiens. J'en veux pas. Regarde une pas chère, Myriam. En vrai, regarde tout au fond là-bas, la panzani, je sais pas quoi, 1,11€. Celle-là, elle est parfaite. Mais c'est du coulis. Ça, c'est bah, oui, super. Mais n'importe quoi, c'est pas ça. Si, moi, je prenais mais ça pour les pizzas. Quoi, ça il y a si. Marqué sauce pizza, il y a marqué. Myriam, fais-moi confiance. Tu refais, tu trouvais ça 97 centimes. Regarde, Younes, c'est trop la rage, Il y a des champignons à 1,03€. En plus, la boîte, elle est pas grande. Ah, va faire une pizza avec des champignons, de la sauce tomate et pas de fromage. Oh my god. Younes, je vais rajouter 2€ à la vidéo. Ma poche. Tu m'autorises, Yacine? Si c'est de ta poche, t'as le droit. Ah, yes. Mais moi aussi, dans ma poche. Bah, dans ce cas-là,
Dans ce cas-là. Je rajoute non, c'est interdit, euros. C'est interdit. Mais je rajoute mes 10 c'est euros. Interdit. Elle, c'est une enfant, elle a pas de revenus, du coup, c'est interdit. Mais moi aussi, ça c'est. Tu les as trouvés où les 2 euros? Je les ai trouvés dans mon porte-monnaie, c'était de la dernière fois quand j'étais à Action. Ok, bah c'est bon, c'est validé. C'est n'importe quoi. Alors, moi, les amis, j'ai besoin de 3 œufs pour mon sandwich, ce qui me coûte à peu près 1 euro. Vu que la boîte est à 1,94€, je divise par 2, ça fait 1 euro. Normalement, c'est bon. Ok, par quoi? Pain, œufs, fromage, sauce, manger, bon, alhamdulillah. Ouais, c'est bon. Younes, il y avait 1 centime dans la boîte. Je vais prendre des bagels 3D goût fromage. Mais Younes, c'est ceux-là, crevette. Elle est en train de t'exploser, elle prend grave des trucs. Mais les chips, c'est... Pour corser la chose, on va rajouter une règle. Younes et Myriam, vous allez avoir 1 minute pour choisir un ingrédient ou un produit de votre choix et on pourra l'incorporer à la vidéo. Peu importe si ça coûte 1 000€ ou 500€, mais vous devez vous mettre d'accord avec Myriam. Avec Myriam, on s'est mis d'accord pour l'article mystère. On a décidé de prendre un article qui coûte 7€. Est-ce que c'est possible? Oui, mais vous avez 1 minute. À partir de maintenant, c'est parti. C'est bon. Le potato burger Helen. Quoi ça? En gros, là-haut, c'est frites, fromage, steak, frites, ketchup. T'es d'accord, Myriam? T'es d'accord? Oui, je suis d'accord. Younes, t'es d'accord? Myriam va commencer. Je vais ouvrir en fait. Tu vas commencer par une pizza, hein, c'est logique. Ouais, hein. Les gars, pour 5€, j'ai essayé de cheater, mais moi là-bas, je vais faire une base crème fraîche. Mais après, j'ai bien réfléchi, je me suis dit, les bonnes pizzas, c'est les bases tomates. En vérité, pour 5€, je pense que c'est impossible d'avoir une pizza vu que tout a augmenté. Maintenant, les pizzas, ça pourrait combien? 12€? Fast food, tu vas la trouver à 12€ ta pizza. Voilà ce qu'elle est. Donc là, Myriam, elle va nous faire une vraie pizza. Après, si c'est 12, bon, je sais pas. 20€, ça peut. Parce que là, tous tes ingrédients, c'est des ingrédients claqués. Genre, c'est 50 centimes, 100 centimes. On va voir si ça va se ressentir dans la pizza. Genre, de mettre la sauce tomate sur toute la pizza. Par contre, j'ai des trucs qui sont un petit peu débordés. On sait plus si la pizza, c'est ça ou ça. C'est la même chose. 1,50€ le poulet, les gars. J'ai jamais vu ça de ma vie. Mais est-ce que c'est vraiment du poulet ou alors c'est du caoutchouc? Ah, je sais pas, c'est bizarre. Après, mais pourquoi tu te casses la tête? Fais direct ça. Si, aussi, ça devrait t'enlever des points. Tu commences à gâcher ma pizza. Non, vas-y, j'arrête. Tranquille. Mais t'es en train de perdre du temps de malade mental. Désolé, les Italiens. Je suis vraiment désolé. On vous respecte pas, je sais. C'est elle. C'est pas moi, c'est elle. C'est elle, ouais. Les gars, regardez ma pizza, 5€ et 2€ en plus, ça fait 7€. Mais les gars, regardez, franchement, je trouve, je me suis pas mal débrouillé. J'avoue, elle donne vraiment envie, ça. Mais comme les pizzas des fast-food. Là, les gars, on va commencer par mon repas, le f'tour à 5€. Les gars, on va voir si ça vaut vraiment 5€. Moi, je suis épatée, 5€ pour tout ça. Genre, qui l'aurait cru 5€? J'ai juste un truc, je vais la balance. Moi, c'est toujours pas l'heure de manger pour moi. Donc, je suis obligé d'attendre et de la filmer. J'ai grave le seum. Bah oui, logique. Bon, félicitations, hein. Pizza, rien à dire. Est-ce qu'au découpage, elle est fluide? Je sais pas si je suis. Je sais pas la. Tu dois tout faire toute seule. Moi, j'ai vraiment envie de gagner. On va faire le test du fromage. Ça marche pas du tout. Mais c'est du fromage à 1€, frère. Ah oui. Les gars, est-ce que à 5€, on pourra faire notre propre pizza ou est-ce qu'il faut encore qu'on paye 12€? Mais t'as pas un vrai croc. Voilà. Là, t'as bien. Voilà. En mode sauvage. Comme ça, t'as bien tout. Le poulet, les champignons, le fromage, la sauce tomate. Et d'ailleurs, moi, je suis grave impatient de savoir si la sauce tomate, elle rend bien ou pas. Non, franchement, les gars, c'est vraiment une masterclass. À petit prix, on peut faire une très bonne pizza. Ça dépasse pas les pizzas de fast food, bien évidemment. Pour le coup, la sauce tomate a 99 centimes, je crois. Non, 50 centimes. La sauce tomate, elle est épicée. On sent bien le goût de la tomate. Ah, ils vous ont mis des épices? Ouais. Ah, elle est belle. Et est-ce que le fromage, il passait le poulet à 1€? Ouais, c'était sûr, c'est du poulet, c'est pas de la semelle. Prends juste un poulet normal. Je vais pas trop prendre parce qu'après c'est dans ma pizza. Voilà, comme ça tu te fais bien un avis. Est-ce que c'est du poulet ou est-ce que c'est du caoutchouc? On dirait vraiment du vrai poulet. Genre on dirait du poulet qu'on achète dans tous les jours à 5€, à 4€. Wesh, un animal. Wesh. Les gars, quand on part en vacances, ça c'est les chips spéciales Omar. Omar, il prend que ces chips là. Ouais. Alors ça, on dirait les burgers de la cantine, ça m'intrigue. Potato burger, en fait, je t'explique. Tu vois, c'est pas du pain, c'est des pommes de terre en haut. Fais voir le steak comment il est, tu peux le déballer. Mais fais gaffe, c'est super fragile. Hein. Fais voir, les gars, steak, fromage, ketchup. Yeah. Fais-nous voir l'intérieur en même temps. Regardez, ça se présente comme ça. Oh, il s'est cassé, j'en étais sûr, la pomme de terre, elle allait se casser. Ça me rappelle un burger du Quick, mais je sais pas lequel. Le cheeseburger. Non, je sais pas, ça me rappelle un burger. La pomme de terre, elle est fondant, à foutre dans la bouche. Ah, genre, pomme de terre à la place du pain, ça te dérange pas, c'est pas bizarre. Non, ça me dérange pas du tout, je vais pas dire c'est meilleur parce que c'est pas meilleur. Le fromage, on dirait du fromage à 7€ là. Ouais, ça en fait, c'est un burger d'enfant pour les palettes d'Oberman, quoi. Ah, dis quoi? Préparation du sandwich de la Hesse. Mais t'es calé, je préfère qu'on voit. Mais c'est mon sandwich, c'est pas le chien. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai une baguette entière, mais vas-y, je vais pas utiliser la baguette. En vrai, je vais prendre celui-là. Je prends le plus petit pour une fois parce que ça dit je suis un gros. Toujours coupé avec un ciseau, les gars. Et sachez que Yacine, dans son enfance, il prenait que des sandwichs au grec avec des œufs dedans. On vient mettre de la mayonnaise. Non, mais je veux dire, c'est au kebab quoi, que tu les prenais. Non, c'est pas au kebab, c'est aux œufs. Bah, c'est ce que je viens de dire aux œufs. Mais tu les prenais là-bas au restaurant kebab, restaurant. Ah oui. Ça sonne dans ta tête. On vient mettre des œufs, les gars. Je me suis dit, avec 5€, qu'est-ce que je pourrais faire? Je me suis dit, les œufs, ça coûte pas cher, les pommes de terre, ça coûte pas cher. Je vais mettre des pommes de terre.
pas. 29 centimes. Je vais prendre la blinde de gruyère. Parce que ça, c'est ce qui va refaire le sandwich. Là, pour l'instant, c'est un sandwich, tu te dis, ça sert à rien. Et là, avec tout le gruyère qu'on va mettre, ça va être. Après, je peux te donner un conseil. Vas-y, donne. Tu mets dans le four. Oui, j'aime bien les conseils comme ça, maman. J'aime bien. Toi, tu connais ton fils. Oui, oui, oui. On dirait c'est moi le sandwich. Magnifique. Mon repas à 5 euros, vous avez vu, c'est un bon mélange. Alors ici, j'avais encore un petit peu d'argent. Donc j'ai mis des légumes, de la viande. Et là, mon big sandwich, il fait la taille de mon bras avec le gruyère. Vous avez vu comment ça a bien fondu. Franchement, ça a l'air d'être vraiment très appétissant. Il fait la taille de mon bras. Ouais, il fait la taille de ton bras, c'est vrai. En tout cas, ce mois de Ramadan, on a passé un super bon mois avec vous. Vous avez vu, on a sorti plein de vidéos, on a fait plein de rappels. Je sais qu'il y a beaucoup de non-musulmans qui regardent. Et vous avez été intéressés par la religion musulmane. Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'on fait sur terre? Pourquoi les musulmans ont fait le Ramadan? Il y en a, ils se disaient, mais comment vous faites le Ramadan? Vous êtes des malades. Bah, on a la foi, on aime Dieu et Dieu nous a dit de le faire, donc on le fait. Et on sait qu'après cette vie, il y a la mort. Et après cette vie, il y a encore une vie. Le paradis et l'enfer. On n'est que de passage sur cette terre. Donc tous les non-musulmans, je vous invite vraiment, comme vous a dit avec Myriam, de vous renseigner. Elle est en train de tout d'abasser des chips. Et en plus, ce soir, il y a une nuit vraiment très, 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 très importante. Moi, je vais quand même goûter juste avant. Alors, on va commencer par les légumes. Bismillah, ça, je me la tue à ça. D'ailleurs, je n'ai pas pris de poids ce mois-là, je suis trop content. Ça fait plaisir, désolé, excuse. En fait, elle vous parle qu'il y a une nuit très importante dans les 10 dernières nuits du Ramadan. La nuit du destin, elle est meilleure que plus de 80 ans. Ça veut dire que si pendant cette nuit-là, tu fais la prière, c'est comme si tu avais fait la prière pendant plus de 80 ans. C'est énorme et ça peut être ce soir. Parce qu'on est la 29e nuit quand vous regardez cette vidéo. Donc la famille, ce soir, dès que c'est l'heure de manger, vous mangez comme moi, vous faites comme ça. Et quand vous avez fini de manger, faites la prière, lisez le Coran, des aumônes, allez à la mosquée pour ceux qui peuvent. Comme ça, vous aurez beaucoup de récompenses. Bon, on va s'attaquer à la bête. Qu'est-ce que t'en penses? Oh là là, ça faisait longtemps que je n'ai pas tapé de sandwich. Bismillah. C'est en micro, ça. Déjà que toute la journée, t'as pas mangé, t'as super faim. Et t'as ce sandwich qui vient te caresser la gorge. Je vous dis, hein, ce sandwich-là, si j'aurais pris le pain au champ, il serait éclaté au sol. À la boulangerie, quand elle a pris ses pâtisseries, j'ai pris du pain de la boulangerie. Ça fait toute la différence. Regardez-moi ça, des bons œufs. Je t'ai dans ton délire. Viens, on fait les desserts. Genre 5 euros chacun, on prend un dessert. Ouais. Vas-y. Non, en tout cas, moi, je mets 10 sur 10 pour ce repas. Mais là, les gars, dessert. Mais regardez le temps. C'est mieux, on rentre, non? Mais je veux quand même acheter, c'est mieux. Mais comment on va sortir? Il y a une tempête, Myriam. Mais alors? C'est les derniers jours du Ramadan. Mais tempête. Ta capuche et c'est tout. T'as faim? Bah oui. Eh, les amis, j'ai un truc à vous dire. Quand il pleut comme ça, Allah, il accepte les deux A. C'est-à-dire, voilà. Faites des deux A sous la pluie. Et une bonne deux A qui okay. Soit utile pour tout le monde. C'est moi qui l'ai. Que Allah nous accorde à toutes et à tous le paradis. Amine, merci. Amine. Et toi, Myriam, une deux A. Bah, Gino. Que Allah affranchi des gens de l'enfer. Amin. Ya Allah, fasse qu'on a tous une bonne vie ici-bas, sur terre et dans l'au-delà. Ya Allah, qu'on n'a pas le châtiment de la tombe. Amin. Ah, même sous tempête, on est obligé de sortir à cause d'elle. Elle veut que manger. Dépêche-toi. Vous voyez, ma soeur. T'as dit quoi? Regardez s'il n'y a pas du quinoa. Ah non, nous on va à la boulangerie par contre. Eh, tu vois, le soir, on fait le tarawih avec mes parents et Younes et Yassine. Et pourquoi le soir tu fais pas des doha comme l'imam? Parce que je sais pas trop les dire en arabe, je les fais quand t'es prosterné, si tu peux faire des doha. Mais tu les fais en français? 3 euros, t'as dit 2 euros, 3 euros. En vrai, tu peux en prendre 2 en vrai. 2? Ouais, bah regarde, si tu fais 2,60€ plus 2,60€, ça fait 5,20€. 3,90€. Oh, millefeuille tunisien. 2€ pile. T'as eu peur. Regarde ce qu'il y a, millefeuille tunisien, quoi. Millefeuille tunisien. Prends ça, Myriam. 2 euros. Comme ouais, prends-en un comme ça, il te reste 3 euros. Et un 3 euros là-bas, là. Incroyable. Yes, regarde, il y a des Zabia et tout, si tu veux yo-yo, Zabia. C'est pas cher en plus, hein. Mais là, c'est pas un jouet. Ouais. Du coup. Juste, tu fais comme ça. C'est elle, moi, je sais pas. Moi, je vais faire quoi? Un millefeuille tunisien. Alors, moi, je veux pas prendre de pâtisserie à la boulangerie. Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter plein de petits ingrédients et faire moi-même des gâteaux. Les gars, j'ai testé les desserts de la fameuse boulangerie. Là, c'est un rocher et là, c'est un millefeuille tunisien. Mais pourquoi ça s'appelle un millefeuille tunisien? En fait, j'ai l'impression, Nadia, que le millefeuille tunisien, t'as vu un vrai millefeuille? Normalement, il y a plusieurs étages, ça fait 1, 2. Et tu vois, il y a qu'un étage dans le millefeuille tunisien. Maintenant, un, et là, il y a le deuxième. Tu penses? Moi, je vois, il est tout petit. Bah, viens, on va se mettre sur le fauteuil tranquille. C'est du noix de pécan, c'est tout ça. Ce qui paraît, c'est la meilleure pâtisserie, le rocher, sauf ils ont fait au chocolat blanc. C'est au Snickers. En vrai, je pense que je vais garder le meilleur pour la fin, le truc tunisien. On va goûter déjà pour commencer le rocher. Ok, bro. Le rocher, je sais pas si t'as l'origine. Je l'ai cassé. Quelle grâce. Fais voir à l'intérieur comment c'est. Je vous ai dit, les gars, c'est goût Snickers. À l'intérieur, tu vois, c'est du caramel et tout. C'est pas bon. C'est pas bon. Il y a quoi qui est pas bon? Tout. Ne redis encore une fois que c'est pas bon, tu vois, à voir. Là, genre la pâte à Snickers, genre je suis pas trop fan. Ah, c'est du café. Du café. Ah, c'est pour ça que t'aimes pas. Millefeuille tunisien, bro. Elle croit, elle lève ça comme une médaille. Est-ce que c'est une spécialité ou pas dans leur pays? Bah, à ce qui paraît, ça s'appelle millefeuille tunisien, parce que c'est une spécialité. Les Tunisiens, dites-moi en commentaire si c'est votre spécialité ou pas. Vas-y, bah en tout cas, ils sont bien, on a des cornes de gaz. Et... En plus,
Oh, ils sont super bons, similaires. Oh, ça dégouline. C'est les gâteaux arabes qu'on fait. Ah ouais, mais ça, c'est un millefeuille, c'est pas un gâteau arabe, c'est un millefeuille, quoi. Ben, en mode, tu vois, tu connais le zlabia. Ouais. C'est pas le zlabia, mais genre, ça a un petit goût. Pour mon dessert, je me suis dit, pourquoi pas faire des cookies. La dernière fois, on a fait un gâteau au chocolat et je suis capable de faire des cookies. Ah, Yuna, je peux t'aider ou pas? Ouais, tu peux m'aider. Donc, les reis, c'est super simple, même vous, faites-la à la maison si c'est bon. Attendez de voir qu'on va déguster. Si c'est pas bon, la faites pas, ça sert à rien. Ouais. Donc, on commence par mettre de la compote. La compote de pommes. Un truc chacun. Vas-y, compote de pommes. Pour l'instant, tu peux sortir le sucre. Bah, voilà, c'est de la stevia. Bien. Younes, il respecte pas les gâteaux, mais de la stevia. Voilà, c'est du sucre. Pour la compote, vous prenez pas la tête, prenez une compote comme ça, vous mettez tout dedans. C'est incroyable. Ensuite, Myriam, tu vas mettre le sucre, pas trop, s'il te plaît, pas trop. Je dis stop. Vas-y. Mais, encore. Stop. Ensuite, on prend soit du beurre de cacahuète, soit du beurre d'amande, et vous allez mettre 2 cuillères, les gars. Beurre d'amande. Beurre de cacahuète, une deux cuillère. 2 généreuses cuillères. Ouais, des bonnes généreuses. Pour 2 cuillères, voilà quoi. Là, vous avez vu, même un maternel, il peut faire ça. Et là, il faut mélanger. Il faut bien mélanger. Ensuite, bien évidemment, on vient ajouter la farine. Vas-y, tu veux mettre la farine. Au moins, on va dire que Myriam, elle m'aura aidé pour faire des cookies. La levure chimique, ça, c'est très important. C'est pour que le cookie gonfle. Hop, levure chimique. Bah, genre, ça fait pas de... C'est plat. Non, mais pour pas que ça fasse des petits cookies. Genre, c'est nul après. Bien évidemment, il n'y a pas de cookies sans pépites de chocolat. Vous avez vu, la recette, elle est hyper simple. Ouais. Moi, je suis pas un très grand cuisinier, mais il y a des recettes de gâteaux, elles sont trop simples. Arrête de mentir, il fait des gâteaux. Ouais, mais ça, c'est, tu vois, tu mets du haut comme ça. Ensuite, il faut ajouter une pincée de sel. Alors, ça, la pincée de sel, je comprends pas. Pourquoi mettre du sel? Maman, pourquoi ils mettent du sel dans un gâteau? Pour ça monte. Ah ok, bah apparemment faut mettre du sel, j'espère que ça va pas trop sentir au goût. Il faut mélanger apparemment. Ma pâte à cookies vient d'être faite, en vrai ça a l'air pas mal. Mais là les gars, c'est l'étape la plus dure de la vidéo. C'est si quoi? Je rate ça, je vais tout rater le phtol. Je dois prendre de la pâte et la malaxer, former des boules. Ça c'est que les mamans qui devraient faire ça. Bismillah, ouais. Oh c'est mou, mais ça va être facile. On doit faire des boules alors, on va voir si c'est... Comme la pâte à modeler en maternelle. N'importe quoi. Si c'est ça, ah, regarde. C'est pour ça qu'ils apprennent à faire de la pâte à modeler. T'as capté? Regarde là, ça fait une boule. Tu vois bien la boule? Non, clairement pas. On vient l'incorporer ici. Ça fait un carré là. Non, regarde. Tu filmes bien là? On vient l'incorporer et là on vient étaler comme ça. C'est pas mal ce que t'as fait là. T'as vu, ça m'a fait des cookies. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre tout ça à cuire et à la fin, je vais mettre un petit bout de Kinder Maxi. Pour... Les cookies viennent de sortir du four, la famille. J'ai mis mon gant et franchement, ils ont une super belle tête. Je suis en train d'ajouter les Kinder Maxi. Donc là, j'ai mis un Kinder Maxi. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. On va mettre le deuxième Kinder Maxi. Ça va être incroyable. Oh, les mais amis. Tu triches. Ah oui, c'est vrai, j'ai droit qu'à un seul Kinder. Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Les deux, ils sont pour moi. Bah non, c'est au moins moi, c'est fait maison. Toi, c'est des cookies du Sahara, ils sont grave secs. Mais qu'est-ce que t'en sais? T'as même pas encore goûté. Regardez, là, le Kinder, il a bien fondu. On a juste un skin, il n'y avait pas assez de budget. Mais ça a l'air archi bon. Il est où quand on rigole bien? Il est là, parce qu'il n'y avait pas assez de budget là pour le Kinder Maxi. C'est incroyable, t'es sûr? On a le beurre du cacahuète, la farine, le ça Kinder. Ça se dit pas le beurre du cacahuète. Si, ça se dit. Beurre cacahuète, beurre cacahuète. Ah, ça, tu prends ça avec un chocolat chaud. C'est vrai que là, c'est un peu sec quand même. Montre à l'intérieur. Regarde à l'intérieur comment c'est. Non, franchement, il est bon. Oh là là, il est bon. Quelle grâce. Franchement, c'est vrai que ça m'a l'air plutôt bon. Je suis plutôt doué, ma future femme. C'est moi qui va cuisiner à la maison, ok? C'est moi qui fais les plats, ok? Ah ouais. Bon, on va vous laisser là, la famille. N'oubliez pas de dire qui a réussi à faire le meilleur repas à 5 euros pour le stall. Elle a fait 7 euros. N'oubliez pas de mettre un commentaire et abonnez-vous. Ciao!